Kampagne Africa on Eye Level. Ihre Bewerbung hat uns wirklich sehr gut gefallen. Kinshasa Collection, Mode als Aufhänger, das gefällt uns sehr gut. Und das im Kongo, im Herzen der Finsternis. Das ist was Neues, prima. Wir haben es geschafft, wir sind da. Los geht's. Votus vient à côté de caméra. Nous avons pris beaucoup de temps ici. Das ist jetzt echt eine Katastrophe. Was sollen wir denn machen? Wir können nicht den Trailer machen, den wir versprochen haben. Tous les Européens, c'est toujours ça le problème. C'est ça le problème. Quand vous venez, c'est pour poser votre vision du monde sur nous. Non, mais parfois il faut savoir s'adapter. Je pense que j'ai quelque chose qui va vous plaire. Et cela veut dire quoi? Non, mais il a une proposition. Mieux vaut partir maintenant et essayer de voir ce qu'il peut nous proposer. Il faut avancer, non? C'est possible de partir maintenant et... Je ne sais pas ce que vous nous proposez, mais allons-y en tout cas. Allons-y, vraiment... allons-y. Il faut partir. Au niveau du planning, on est juste... Un instant, justement, on va... Oui, on va changer, non? Komm schnell, bevor die jetzt abhauen und ihre Meinung ändern. Jana, Achtung, hier sind Schienen. Und hier kommt jetzt ein kleiner Kanal. Achtung. Ja, mal ja. C'est ici? On est arrivé? On vient avec toi? Venez. Uiuiui. Achtung, hier ist ein bisschen Wasser und Stufen. Bonsoir, madame. Attention. Bonsoir, madame. Bonsoir. Wo führt der uns denn hin? Achtung, Achtung, ein Stein. Hier hängt eine Jacke. Bonsoir, Mama. Bonsoir.
Présente-toi. On peut entrer là ? Waouh, c'est comme la cave de Alibaba ici. Vraiment. Bonsoir. Bonsoir madame. Elle, c'est Dorothée. La Dorothée Daniel Mbozo. Très grand plaisir. Merci très également. Très grand merci plaisir. Elle là, c'est Yana. Yana, ça va Yana? Enchantée. Merci beaucoup Daniel. Yana. Et voilà. Et lui, bonsoir. Pascal. Bonsoir, c'est Pascal. Daniel Mesquita. Enchanté. Merci beaucoup. Enchanté. Alors, oui. Bienvenue. Merci. C'est l'atelier de Daniel. Oui, c'est mon atelier. Oui. Ce sont mes collègues du travail. Hein. Ils travaillent avec moi. Donc, ce sont mes collègues. Donc, on travaille vraiment. On bosse donc, jour et nuit. Donc, nous sommes là pour satisfaire donc, nos clients. Et ça, c'est votre logo? Oui, ça, c'est mon logo. C'est mon logo. Donc, il y a des collections. Donc, lorsque j'ai fait mes vêtements, je prends les étiquettes, je les mets à l'intérieur pour faire voir aux gens donc la façon dont je travaille, pour faire voir aux gens dont la provenance des habits ou donc les collections du street, de l'hardware, du classique. Et sincèrement, il a participé à beaucoup de Fashion Week. Et là, de ce point de vue, je pense que son travail sera très intéressant pour vous, quoi. Wie findest du die Sachen? Super. Ich bin begeistert. Ich sehe schon was, was dir sehr gefällt. La robe est très courte. Hein. Mes collections, des vestes, gilets, classiques, chemises. Si vous voyez là, c'est mon nom, Daniel Mbozo. Donc wow. C'est mon nom, oui. Donc des vestes classiques, hommes. Wow, regarde. C'est vraiment super. Donc des vestes classiques. Les sapeurs viennent ici. Oui, bien sûr. Donc il vient faire leur commande ici à l'atelier. Donc j'ai fait presque tout. Ici il y a les gilets, vestes classiques, comme vous voyez, les vestes classiques. Et ici les survêtements. Vous voyez donc survêtements qu'on porte dans des sèches. J'ai fait les mêmes avec les pagnes. Ouais, vous mélangez les tissus traditionnels. Oui, traditionnels et assez des occidentaux. Ey, was findest du das auch so toll, Jana? Klasse. Der ganze Raum ist super. Das inspiriert total. Also, jetzt kann ich es Gott mir vorstellen. Dank. Nach diesem Messieurs, dames, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. On se tient au courant. Okay. Oui. Il faut que je les accompagne rapidement. OK. Ich glaube, du begibst dich in Lebensgefahr, wenn du hier weiterfährst, Jana. Ja, okay, ich mach aus. Es ist stockdunkel. Ouais, comme tu vois, on arrive. Hein. On est proche de chez Lévi. Et tu vois tous les ballons, tu vois, c'est la fripe. Tous ces gros ballons. C'est quoi la fripe? La fripe, c'est les vêtements de vêtements qui viennent d'Europe. Ça vient de partout, Allemagne, France, Belgique, tout ce que tu veux là. Alors les gens, quand ils ont décidé de jeter leurs vêtements, ils donnent ça à la deuxième main et c'est renvoyé. Alors il y a tout un business de ça ici, donc tu es dans un quartier où les gens vivent que de ça. Plein de véhicules, ils viennent de loin. Tu as des entrepôts et des camions qui passent. Et à l'intérieur, la marchandise, c'est que ça. Ça remorque. On te remorque tout un conteneur avec ça. Et le conteneur, il vient atterrir ici. C'est pour ça que tu as le marché qui est saturé de vêtements. Mmh. Alors, les designers, ils vont produire des vêtements qui sont designés pour eux-mêmes. Mais ils vont produire et ils vont le vendre à la masse. Quelle masse de population? Oh là là! Alors, tu as juste des clients un peu particuliers, tu as des gens qui sont très petits en petit nombre, mais là, sur l'échelle de toute la ville, tu es quand même assez grillé par tout ça. Regarde, tous ces gens qui te vendent des vêtements. Mmh. Toll, was los? Et belle vue. Oui, très belle. Madame Lydie, enchantée. Réalisatrice. Oui, c'est Pascal. Pascal, merci. Très ravi. Madame bonjour, Lydie. Enchantée. Qui peut bien expliquer ta collection. Okay. OK. Là, c'est ma deuxième collection dénommée LFG, qui signifie ligne de forme géométrique. Et cette collection met en exergue ou encore met en évidence des couleurs d'Afrique avec des coupes européennes. Coupes européennes, tu vois, moi je vois plus les styles classiques, hein, c'est un style européen. Et j'ai plus aussi revisité les styles cubisme ici dans cette collection par des découpes. Hein. Dans un terme vocabulaire normal, on dit ligne
Mais chez nous, dans un terme technique, on dit découpe. D'accord. Et les formes géométriques sont ici représentées par des graphiques du pagne. Hein. Uh-huh. Nous avons des angles, des rectangles, ainsi que des cercles. Mais ça, c'est sur la tissu... Oui, sur le tissu. Sur le tissu pagne, vous ne tamponnez non, pas, non, 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 c'est un tissu acheté. Imprimé. Comme ça, sur le marché. Oui. Bien, c'est celle-là. Moi, je passe là. Oui, ça, c'est superbe. Donc, regardez celle-là avec le raffia. Ah, voilà, vous combinez aussi de... Ça, c'est vraiment très traditionnel, mais bon, ça, quand ça c'est fondu... Ça, c'est un tissu. Oui, c'est du tissu raffia. Moi, j'ai l'impression que vous travaillez dans une manière patchwork. Non, 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 c'est non, 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 non. Ça, c'est pas du patchwork. C'est patchwork, c'est des mots pour vous, là. Parce que ici, là, on n'appelle pas ça patchwork. On appelle ça du kizobazoba. C'est pas compliqué. Alors... Vous pouvez avoir voilà, une tenue façon locale, très chic comme ça, mais avec des combinaisons extérieures. Donc ici, si on a des baskets, qui sont, je ne sais pas moi, Nike, Adidas, tout ce que vous voulez, on a une képi. Mais là, c'est nous qui l'assemblons, c'est nous qui décidons avec les designers qui sont là de la manière dont ça donc va on être. On fait une combinaison de différents éléments qui proviennent même des différentes marques. Donc nous sommes là pour associer. Yana Zertomal, wie findest du das? Oh, pardon, pardon, Lydie. Das finde ich sehr gut. Noch besser finde ich das andere. Ja, aber den Stil super, von ihr. Super, super. Also mir gefällt das jetzt irgendwie ziemlich gut. Nee, ja, ich finde es auch sehr gut. Nicht, das ist doch super. Donc, je vois que ça vous plaît un peu. Oui. Absolument. Si, si. La collection. Oui. Également très bonne absolument idée. Intéressant. Intéressant. Oui. Tu marches sur nos armes. Oui, bon. Voilà. Je sens que vous êtes intéressé. Bon, vous allez quand même me donner quelques minutes, quoi. Je dois parler à Madame Lydie. D'accord. Endlich mal so ein Bier, was so ein Bier, wo wir das Gefühl haben. Ja. Mais c'est quoi, pourquoi t'as remonté une queue? Couper ça ensemble, Nabal. Hello, 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 hello. Toc, toc. Joe. Okay. Je pense que ce sera très important que vous le rencontrez. Mmh. Oh, bonjour. Oui. Hello, la bonjour. Grande. Bonjour. Ça bonjour. Va ouais, ouais, ouais. Ah. Ah, Joe, c'est ta fille. Oui, oui, c'est ma fille. Ah ben... Eh ben, c'est une fille sapée, quoi. Elle est comme papa. Elle est jamais, jamais dehors. Son griffe, elle, c'est les griffes. Elle aime bien les marques. Moi, je suis pas comme Daniel et Lydie. Moi, j'ai une boutique ambulante, va chez maman. Quand je sors, tellement que je suis bien stylé, j'arrive à combiner, parce que j'essaye vraiment à combiner. J'ai un style à moi, c'est ce que je vends, c'est mon style. Et ce style-là que je vends, quand je sors dans la rue, il y a des gens qui m'interpellent, qui me demandent, des gens qui me félicitent, des gens qui veulent s'habiller textuellement comment je m'étais habillé. Parce que c'est difficile de combiner un costume avec un jogging. Quand tu vois essayer de respecter le climat, de respecter certains normes de la SAP, moi j'appelle Kizobazoba. Là j'ai un costume, mais en bas j'ai pas un pantalon en tissu, mais j'ai un jogging et j'ai pas de chaussures. En bas, j'ai mis des baskets en plus et j'ai combiné avec un t-shirt. Ils voient sur Facebook, je suis sur WhatsApp et il y a d'autres clients qui me contactent. J'envoie des photos, des propositions et c'est comme ça que ça marche. Et fois... Tu as oublié même Instagram. Oui, oui. Super compte Instagram. Et sur Instagram, j'ai 3057 following. Sur Instagram, j'ai 3057. Il y a des gens qui vendent. Donc, il y a des gens qui potentiels clients également. Bien sûr, bien sûr. Ça vend, bien sûr. C'est sérieux. Mais tout y va. Wow. Mais donc c'est vraiment génial. Ja, okay. Ja. Jana, hast du das dieses fantastische Businessmodell? Also ich bin hin und weg, muss ich sagen. Ja. Aber ich finde, es ist ähnlich, also es ist so ähnlich wie ein Modeblogger, bloß dass man es noch auf der Straße trägt. Ja, und auf der Straße und verkauft und dann zu den Kunden. Also das finde ich schon noch eine Nummer moderner, virtueller. Und vor allem so, wie das setzt wirklich die Trends da in seinen Kombinationen, so wie sind das, so wie was
Aufschlag geben. Absolument. Sind. Ne? Plaisir. Merci. Merci. On vous attend, oui, monsieur. Vous nous attendez, Pascal. Ouais. Merci. Merci. Hein. Alors, à plus tard, Cédric. Oui. Merci beaucoup, Joe. Merci. Merci. 1, 2, 1, 2. So. Ich bin jetzt hier beim Echangeur, ein riesen Klopper mitten in der Stadt. Und ich mache Testbilder für den Trailer, der jetzt ja hoffentlich bald mal kommt. Kann man sich gar nicht so vorstellen. Das ist, als wäre da, sehe auch nicht, ein riesen Monument, aber total ausgestorben hier. Da läuft eine Autobahn quasi ins Nichts. Werde ich nachher auch nochmal aufnehmen. Genau, also die erste Bilanz ist auf jeden Fall recht interessant, sage ich mal, durchwachsen. So viel zum Hochladen komme ich leider nicht, wie ich es mir gewünscht hätte, aber liegt auch ein bisschen an der Internetverbindung. Ne? Gab auch schon Stress, aber ja, wundert mich auch gar nicht so. Ich weiß nicht, haben sich eventuell Pascal und Dorothee auch etwas leichter vorgestellt. Ich glaube, hier wird es ganz cool. Jetzt nachher muss man sich dann vorstellen, dass hier Models stehen. So. Tu parles là? Là? Écoute, tu vas me la liste. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Personne ne dit ça, qui ne peut signer la bande de boy. Attendez, s'il vous plaît. Oui. Quelques minutes, on a fini. Voilà. Was wird denn das jetzt? Wahrscheinlich müssen wir hier einen Nähkurs machen. Ich bin ja mal gespannt. Oui. Tu vois, personne ne dit ça. Alors, vous êtes bien? Oui, on est très bien. Et j'espère que vous aussi, ça va. Ça va, merci. Ah, oui, moi et mon équipe, on a travaillé vraiment sur une liste des choses qu'il vous faut. On a écrit du nécessaire, ça passe aux tailles, aux dimensions et au kin. Et je pense que c'est très clair que c'est ce qu'il vous faudra. Mais la seule différence, c'est qu'il y a des choses ici qu'il va falloir bien trouver. Et vous ne les trouverez pas à Kinshasa. Et vous les trouverez en Chine. Voilà, une très bonne idée, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette liste-là? Oui, bonjour. On a tout préparé. Parce qu'on a besoin des tissus qu'ici, il n'y a pas. En Chine, là-bas, il y en a. Donc, vous devez vous rendre en Chine. Vous devez vous rendre en Chine. Joe, c'est... China. Joe, c'est pas vrai, non? C'est pas une blague, c'est vrai. Vous devez vous rendre en Chine parce qu'on a un court délai. Et j'ai tout organisé. Il y a un partenaire qui est là-bas, Anthony Muzu, aka Golden Boy. C'est lui qui va vous aider à faire les courses. Oui. Joe, je crois pas, non? Non, c'est ça, c'est sérieux. Golden Boy, c'est... Cédric, monsieur... Oui, c'est sérieux. Il a même des photos, c'est déjà tout planifié. Alors, vous pouvez regarder. Jean-Thur, c'est lui, Anthony Muzui Golden Boy. Il est là. C'est lui qui va vous aider pour les courses. Je vais vous montrer plus rapidement. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît dans la mode, les tissus. Vous voyez, on veut refaire ce costume, mais le tissu, on l'a payé là-bas. Donc, il doit provenir de Guangzhou, parce qu'il vit en Guangzhou. Mais ça, c'est incroyable. Nous sommes ici, à Kinshasa, pour faire un tournage, pour faire un petit trailer. Et vous nous dites, il faut, faut aller en Chine. C'est folle. C'est vraiment folle, Chopa. S'il te plaît, ça, c'est pas une plan sérieuse. Non, non, mais écoutez, moi, j'ai fait confiance en Cédric et tout. De toutes les façons, si vous faites les calculs, hein, de ce que vous devez dépenser ici, si vous faites toutes les estimations et tout ce qu'il faut pour que les trailers fonctionnent et marchent bien,
il va falloir appliquer ces plans. Et ces pièces sont importantes pour vous? Oui, on peut les recevoir, il n'y a pas de problème. Bon, on est... Mais ça, c'est une idée complètement folle. Complètement folle, parce que ça, ce n'est pas possible pour nous d'aller en Chine. Ah si, c'est possible pour vous. C'est possible, c'est une bonne solution, parce qu'il y a de matière qu'on ne trouve pas ici, donc il faudra aller les trouver en Chine. Parce que là-bas, vraiment, il y a une gamme variée des matières, textiles et des couleurs. Donc il faut aller en Chine. Si rentrez, faites des calculs, en tout cas, vous verrez que c'est la meilleure proposition pour faire ces trailers. Ça va vous coûter moins cher. Allez-y, faites des calculs, comme ça vous allez me faire part de votre décision et moi je leur dirai. Ok? Donc, Monsieur Cédric, okay, ich glaub, das kann selbst je vous dirai à leur décision. Ein völliger Quatsch ist. Oh, also, ich, voilà, merci beaucoup, en tout cas. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Ja, jetzt ich alleine im Garten. Die beiden sitzen schon seit Stunden, kann man sagen, auf der Terrasse. Gibt ja jetzt hier die neue China-Diskussion. Weiß ich auch nicht, irgendwie wieder was ganz Neues, aber dazu werde ich eher nicht befragt gerade. Ich glaube, ich werde jetzt auch gleich mal nochmal hingehen und mal meine Meinung kundtun. Wenn wir hier noch so irgendwie 10 Tage... Schnitt jetzt anberauben, dann könnte das hinkommen. Aber das müssen wir mal gucken. Ja. Hm? Ja. So Leute, wie sieht's aus? Naja, wir sind was. Das klingt zwar verrückt. Erstaunlicherweise zu dem Entschluss gekommen, dass dieser Wahnsinnsplan von diesem Cedric eine gute Idee ist. Ernsthaft? Eine gute Idee nicht unbedingt, im Sinne von, aber... Also wir hatten es uns natürlich einfacher vorgestellt, aber wir haben es durchgerechnet. Du hast ja mitgekriegt, wir haben die ganze Zeit mit Chopra telefoniert, hin und her und hin und her. Dorothee wird nach Guangzhou fliegen. Ich werde in der Zeit alles vorbereiten, dass es danach richtig flott geht, so wie wenn die Klamotten genau wieder hier sind. Ne? Weil das braucht ja auch, also bis wir das alles gefunden haben und so, das dauert ja eine Weile, ne? Und was mache ich? Naja, du wartest hier, dass Dorothee zurückkommt. Du kannst gerne zu den Bonobos fahren, du kannst alles Mögliche machen. Also wir haben das jetzt mal so... Boah, nee. Wie? Nee, darauf habe ich echt keinen Bock. Wie, was meinst du? Ja, ich warte doch jetzt nicht hier allein. Also, oder wenn während Pascal da diese Vorbereitung macht. Oder aber wir können dich nicht nach Hause schicken in der Zeit, dass ist auch nicht dann drin. Dann fliege ich nach Hause eher. Nee, ich warte doch jetzt hier nicht allein, also... Also ganz ehrlich, Jana, wir haben jetzt gerade mal, tut mir leid, dass das passiert ist, aber wir haben dich gerade mal wieder vergessen. Das tut mir leid. Das Ding wäre auch, wenn ich mitfahre, wäre das ja auch voll cool für das, was ich hier mache. Das vergesst ihr halt immer. Stimmt. Da hat sie recht. Aber also ich habe immer das Gefühl, ihr nehmt das überhaupt nicht ernst, was ich mache. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie zum Spaß drehe oder so. Wir nehmen das schon ernst, aber so irgendwie, das ist eine Sache so irgendwie auch des Budgets. So, das gibt es nicht her. Ne? Habt ihr es denn durchgerechnet, ob sich das nicht eher rentieren würde, wenn mit dem Excess Baggage oder wie es läuft das? Ja, das war in der Tat ein bisschen knapp bemessen, was wir haben. Also, okay, Jana, vielleicht ist das gar nicht so eine schlechte Idee. Excess Baggage, daran habe ich gar nicht gedacht. Moment. Doch, wir haben das einmal für uns, für so meine Sachen durchkalkuliert. 23 Kilo. Und, so, und dann könnte, wenn Jana mitkommt, ist vielleicht der Preis für ihr Ticket und... Okay, Jana, wir werden das durchrechnen, okay? Mhm. Wir werden das durchrechnen. Ja, aber echt, also ganz ernsthaft, hier bleiben habe ich wirklich keinen Bock. Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans à votre émission La vie en rose avec Marie. Comme dans la vie quotidienne, on va vous montrer comment préparer son voyage ailleurs, à l'étranger. Quand vous aimez bien voyager, pour ne pas avoir plus de complications à l'étranger avec vos bagages, nous avons 3 astuces à vous montrer pour mieux préparer votre voyage. Primo, c'est de classer vos vêtements de plus cher en dessous de votre valise, de classer comme le Versace,
vous le placez en dessous de votre valise. Et n'oubliez surtout pas de froisser un peu vos vêtements pour distraire ou pour ne pas donner l'impression aux douaniers que ce sont des vêtements coûteux ou chers. Vous prenez le vêtement coûteux ou de marque, vous froissez un peu parce que ce sont des vêtements neufs. Mais arrivé à la maison, vous pouvez repasser et remettre nouveau. Vous mettez ça en dessous. Vous prenez des choses, des bijoux, des choses importantes et vous mettez là. N'oubliez surtout pas vos sacs de toilette, vous allez mettre là. Ensuite, un cadeau pour un petit frère, un cadeau pour un ami, un cadeau pour qui que ce soit, très important. Ne mettez pas au-dessus, mais mélangez-les avec vos vêtements importants. Comme par exemple, je mets ça en dessous de vêtements, je mélange. Et prenez vos vêtements un peu usés, vous mettez là au-dessus. Pour un peu distraire ou mettre de confusion aux douaniers. Ensuite, vous achetez en Chine, vu en Chine, au monde entier, vous cherchez le vêtement, c'est vend moins cher. On appelle ça sucré ou quelque chose pour le douanier. Là, vous aurez moins de complications, je vous assure. Ça sera simple, votre passage sera favorable. Vous mettez ça au-dessus. Vous mettez ça au-dessus. Vous prenez tout ça, ce qui est usé, vous ne portez pas trop, vous mettez là. Et vous prenez du sucre pour le douanier, vous mettez au-dessus. Je vous rassure, moi, votre ami, que vous n'aurez pas de problème avec ça. Ensuite, vous prenez la valise, vous fermez. Là, je vous assure, et confiance en moi, aucun problème au douanier. Ils seront très contents et à la prochaine, ils vont t'accueillir comme une reine ou comme un roi. Je vous remercie, c'est ça le premier astuce pour vous aider avec vos affaires ou vos voyages à l'étranger. C'est Marie. Merci. Chopa ist schon da, ihr müsst euch beeilen. Ja, okay. Pascal, kannst du mal nehmen? Dann nehme ich die Koffer, noch sind sie ja leer. Ja, klar. Okay. Ein letztes Bild kannst du an meine Familie schicken. Klar. Jana, nicht abergläubisch. Okay. Hallo. Tschüss, Pascal. Wir freuen uns schon, wenn wir uns bald wiedersehen. Die ganze Sache ist mir nicht ganz geheuer, wirklich. Wem ist es? Also. Okay. Oh, Jana, wir müssen noch uns verabschieden bei Madame Pola. Ich lasse das mit dem Drehen. Muta macho! Nzagune vunda nebula mwanda. Faut qu'il ne puisse plus faire du mal. Sans pas, sans pas, à mes frères et à mes frères.